Alors la situation maintenant politique de la France. Vous savez que nous sommes dans une période électorale avec les élections régionales. Rien ne m'attriste plus que de voir des gens de bonne foi qui se disent pour qui je vais voter, pour que ça change, etc. Mais un conseiller régional ne changera rien à rien. Ça ne changera strictement rien à rien. Si par exemple, comme on l'a vu récemment dans une région dans le nord de la France, il y a une raffinerie qui ferme, alors vous aurez le conseiller régional qui ira faire manifester avec une banderole bleu, blanc, rouge. Qu'il soit de droite ou de gauche, d'ailleurs, peu importe. Ils n'ont pas les manettes. Mais plus personne n'a les manettes en France. Alors je voudrais insister sur les raisons pour lesquelles l'UPR ne va pas aux élections régionales. Nous n'y allons pas d'abord parce que nous sommes encore petits. Nous avons énormément de gens qui viennent en ce moment se renseigner, vous en êtes la preuve, de gens qui adhèrent, mais nous sommes encore petits, nous n'avons pas un maillage national. Deuxièmement, nous ne bénéficions pas de la bienveillance des médias. Et troisièmement, nous n'avons pas non plus les fonds qui sont versés par l'État, c'est-à-dire par votre argent et le mien, aux partis politiques français. Je voudrais d'ailleurs insister à ce propos sur quelque chose d'important que les Français ne connaissent pas. C'est qu'au motif d'avoir moralisé la vie politique française, ont été prises dans les années 80, 90 et 2000 un certain nombre de dispositions pour financer par la puissance publique les partis politiques. Très bien. Très bien. Mais comme disent les Allemands, le diable est dans les détails. Parce que pour avoir accès au financement, un parti politique ne peut être financé que de deux façons. Soit par la cotisation de ses adhérents, encore faut-il avoir des adhérents. Et quand on crée un parti politique, par définition, on n'a pas d'adhérents. Et quand on a 200, 300, 400 adhérents, on est encore bien petit. L'autre source de financement autorisée, toutes les autres étant interdites, notamment il est interdit de recevoir de l'argent, d'associations, d'industries, d'entreprises. La seule autre source autorisée, c'est le financement public qui représente la grosse part du financement des grands partis politiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce financement est attribué aux partis politiques en fonction du résultat qu'ils ont eu aux élections législatives antérieures et à condition d'avoir présenté au moins 50 candidats et que dans 50 circonscriptions, et que les 50 candidats aient dépassé plus de 5% des voix. Bon. En d'autres termes, tout est verrouillé au profit des partis existants, et encore de certains partis existants. Alors je vais vous prendre un exemple extrêmement clair. C'est en 2009. En 2009, l'État a versé aux partis politiques français, au titre de l'aide à la vie politique, 74 millions d'euros, une enveloppe de 74 millions d'euros qui a été payée par les contribuables français, par tout le monde. Tout le monde est contribuable. Même quand vous achetez un café, vous payez de la TVA, vous êtes contribuable. Donc 74 millions d'euros ont été versés. Sur ces 74 millions d'euros en 2009, il y en a eu 56 millions environ, c'est-à-dire plus de 75% qui ont été versés à l'UMP et au PS. C'est-à-dire que l'UMP et le PS ont récolté à eux deux plus des trois quarts du financement public. Alors je rappelle qu'en 2009, il y a eu une élection nationale, les élections européennes, où l'UMP et le Parti socialiste ont fait à eux deux en gros 40% des suffrages. Mais il ne faut pas comparer ça aux suffrages, il faut comparer ça aux inscrits. Puisque ce sont les inscrits qui payent l'impôt. Et d'ailleurs, l'UPR avait appelé à boycotter ces élections. Eh bien, en termes d'inscrits, l'UMP et le PS ont fait 17% des électeurs inscrits. L'UMP et le PS ont récolté 76% des financements publics, alors qu'ils n'ont eu aux seules élections nationales, à l'échelle nationale, qui ont eu la même année, que 17% des électeurs qui ont accepté de se déplacer pour voter pour eux. Voilà donc comment nous avons en France eu l'imposition d'un système à l'américaine qui veut, notamment par les systèmes de financement d'une part, par l'accès aux médias d'autre part, qui veut forcer le peuple français à accepter qu'il n'a le choix
qu'entre deux partis qui, en fait, disent la même chose. C'est la théorie de ce que certains Américains théoriciens de cette affaire appellent les « oppo same ». Oppo comme opposition, same, ça veut dire pareil. Donc c'est théorisé. Nous avons affaire à des choses qui sont théorisées. Alors je voudrais insister. J'explique pourquoi nous ne pouvons pas y aller. Nous n'avons pas de financement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème fondamental sur lequel je voudrais insister. C'est que nous n'avons pas, nous, la même analyse de la situation politique française que tous les autres partis politiques. Pour les autres partis politiques, ils sont d'accord pour s'inscrire dans le moule qui leur est préparé. Nous, nous considérons que la France et les Français ont été privés de leur démocratie et de leur souveraineté. Et donc nous, nous n'avons pas envie de cautionner, si peu que ce soit, un régime dont nous considérons qu'il est illégitime, puisque ça n'est plus un régime démocratique. Ça n'est plus un régime. Nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Si je voulais faire une comparaison, se présenter aux élections de nos jours, c'est comme si on avait demandé à Charles de Gaulle de faire des listes France libre dans la partie de la France qui était régie par le régime de Vichy, à supposer que le régime de Vichy ait fait des élections municipales. Est-ce que Charles de Gaulle aurait fait des élections France libre, aurait essayé de faire passer des messages, aurait essayé d'obtenir un conseiller municipal à Vichy? La réponse est non. On voit bien ce que ça a de grotesque. Alors, je voudrais à ce propos profiter de ce que ici nous avons des jeunes adhérents et puis des sympathisants qui hésitent un peu encore à adhérer. Je voudrais attirer votre attention sur 12 points. 12 points qui nous séparent totalement et radicalement de tous les autres partis politiques français. Le premier point, c'est qu'à l'UPR, nous refusons le confusionnisme, si j'ose dire. Nous aimons entrer dans le détail. Je disais tout à l'heure, je citais les Allemands qui ont ce proverbe « Der Teufel liegt im Detail », le diable réside dans les détails. Nous aimons que tout soit clair. Sur la scène politique française, vous avez des gens qui font de l'usurpation d'identité, de la captation d'héritage, qui piquent les sacs aux vieilles dames. Je veux parler de tous ceux qui se propulsent gaullistes, de tous ceux qui se disent « je suis gaulliste ». Ah, très bien. Et beaucoup de gens, malheureusement, dans la population, disent « ben, moi, je vote pour un tel parce que c'est le candidat gaulliste ». Et puis vous découvrez que le candidat gaulliste, il a en fait un programme qui est un programme ultra-européiste, qui va exactement dans le sens contraire de ce qu'il fait croire à la population. Donc nous, nous ne nous laissons pas enflammer par des propos gaullistes, patriotes, souverainistes, parce que tout ceci, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous savez, même dans les années 40, c'était pareil. Hein. Pétain a toujours, au moment de son procès, Pétain a expliqué qu'il était le résistant de l'intérieur et que de Gaulle était le résistant de l'extérieur. Le régime de Vichy avait comme devise « travail, famille, patrie ». Je présente dans une conférence une médaille à la gloire de Darlan qui est debout dans la tempête pour la défense de la patrie. Donc le régime de Vichy n'avait de cesse que de se prétendre patriote. De la même façon que de nos jours, vous avez les responsables des grands partis politiques français qui se vautrent dans la soumission à l'empire atlantiste, qui se vautrent dans la course, à cette course sans fin vers cette tour de Babel européiste, dont au fond d'eux-mêmes ils ne croient pas, mais ils le font parce qu'ils font carrière. Eh bien, demandez à tous ces gens « est-ce que vous êtes patriote ou non ?» Ils se réécriront « bien sûr, je suis patriote, parce que l'avenir de la France ne passe que par l'Union européenne. » Donc ne vous laissez surtout pas, comment dirais-je, tromper par les emballages. Vous avez quand même appris, quand vous allez dans une grande surface, vous ne regardez pas seulement les emballages. Maintenant, vous avez quand même commencé à voir qu'il faut regarder quelle est la composition du produit. Donc ne vous laissez pas tromper par les dénominations de gaulliste, de souverainiste, de patriote, de républicain, de citoyen. Tout ça, ça ne veut rien dire à entrer dans les détails. Ça, c'est le premier point qui nous sépare, parce que nous, nous aimons le détail. Le deuxième point, c'est que l'ensemble des partis politiques français donne la priorité au clivage droite-gauche.
même s'ils disent provisoirement le contraire. On voit des partis, d'abord l'UMP et le PS font semblant d'être à droite, à gauche, pour essayer de cultiver des différences superficielles, mais vous avez à l'extrême droite des partis ou des mouvements, ou à droite, des mouvements qui se réclament gaullistes, souverainistes et autres, et qui, au moment des élections, se rallient toujours au camp de droite, et pareil, à gauche. Donc l'UPR est le seul mouvement, c'est mis dans notre charte constitutive, c'est le seul mouvement politique qui dit que provisoirement, nous devons laisser ce clivage de côté. Je dis bien, mesurez bien les mots, hein, provisoirement. Nous ne disons pas que le clivage droite-gauche n'existe pas. Il existe dans les mentalités. L'une de nos sympathisantes tout à l'heure expliquait qu'elle était génétiquement de gauche. J'ai trouvé la formule assez rigolote parce qu'elle est vraie. Souvent, les gens sont familialement de droite ou familialement de gauche. C'est comme ça. Et c'est tout à fait respectable dans un cas comme dans l'autre. Le problème, c'est que conjoncturellement, ça n'a plus de sens, puisque tout le pouvoir a été retiré aux Français. Et ce que dit l'UPR, hein, nous sommes un mouvement de libération nationale. Nous n'envisageons pas d'arriver au pouvoir, de nous y maintenir pour la fin des temps. Ce que nous voulons, c'est libérer la France des puissances étrangères qui ont mis la main sur sa souveraineté, sur sa démocratie. Puis une fois que les Français seront sortis de l'Union européenne, que les Français auront récupéré leur droit à la parole, bien à ce moment-là, on pourra... comme le disait Philippe tout à l'heure, on pourrait être comme à la fin d'Astérix, s'écharper entre nous, parce que le barde d'assurance Trix chante faux. Hein. Mais nous n'en sommes pas là. Hein. Il faut que nous nous allions tous ensemble, au-delà du clivage droite-gauche, nous sommes les seuls, à, non seulement à le dire, il y en a peut-être un ou deux mouvements qui essaient de le dire, mais nous sommes les seuls à le mettre en pratique, c'est-à-dire... que nous veillons toujours à ce que nos analyses et nos propositions soient acceptables par tout le monde. Parce que c'est très beau, je connais des mouvements à extrême gauche et des mouvements à très à droite qui prétendent aussi faire un rassemblement de droite-gauche. Oui, sauf que, après qu'ils ont dit ça, on découvre ensuite un discours ultra-marxiste ou bien un discours qui a des colorations tout à fait d'extrême droite et donc, ipso facto, ne peuvent pas rassembler. Donc là aussi, nous aimons entrer dans le détail. Hein, rassembler au-delà du clivage droite-gauche, ce n'est pas seulement un mot, c'est également une attitude d'ouverture à l'autre, une attitude de respect mutuel entre les gens qui sont plutôt de sensibilité de droite, plutôt de sensibilité de gauche. D'ailleurs, je suis extrêmement content de voir que vous êtes ici, on a fait un tour de table tout à l'heure, eh bien, ça va justement de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, en passant à peu près par toutes les facettes des partis politiques français, sauf, comme je le disais en plaisantant, peut-être l'extrême centre. À ce propos d'ailleurs, je sais que certains essaient de faire un petit peu leur petit fond de commerce en appelant un nouveau Conseil national de la résistance. Et je connais une officine d'extrême gauche qui fait ça, communiste, qui appelle à un CNR. Je suis tout à fait d'accord pour le CNR. Mais le Conseil national de la résistance que de Gaulle avait mis sur pied en 1943-44, il présentait deux caractéristiques que refuse de voir le groupuscule dont je parle. Premièrement, il n'était pas dirigé par Maurice Thorez, il était dirigé par Charles de Gaulle. Parce que si le CNR avait été dirigé par Maurice Thorez, il n'y aurait pas eu de CNR. Parce que la grande majorité des gens de droite auraient refusé d'y aller. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au CNR, il y avait tout l'éventail social et politique. Il y avait de Gaulle, et Jeanblin l'avait imposé, il y avait des gens de la cagoule, c'est-à-dire de l'extrême droite qui étaient au CNR. Et ça allait jusqu'au Parti communiste français. Il y avait donc toutes les sensibilités de la France. Et par ailleurs, le CNR avait insisté aussi sur l'union des patrons et des ouvriers. C'est marqué, c'est écrit dedans. Donc il n'y avait pas la volonté d'un combat de classe. Donc le CNR se voulait justement une espèce que Malraux appelait ultérieurement, d'ailleurs, en parlant du parti gaulliste, le métro à 6h du soir, c'est-à-dire quelque chose qui rassemble tous les Français de bonne volonté, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, a dit merveilleusement le poète Aragon, hein, c'est que, conjoncturellement, quelles que soient nos sensibilités, il faut qu'on se fasse abstraction de nos pensées pour ne faire qu'une seule chose, libérer la France.